Vrai ou faux? Bonsoir à tous, ici Docteur Jolat. C'est un peu comme Docteur Nozman mais du bled. Si on se retrouve aujourd'hui, c'est tout simplement pour tester une expérience de folie. Faut savoir que je suis un grand passionné de la science, de la biologie, des petites expériences, de la chimie et tout. Ça, tu vois, c'est mon truc, ça. La science elle-même coule dans mon sang. Bon, alors aujourd'hui, vidéo très courte, très rapide, ça va pas prendre longtemps. Alors, il y a quelques jours, je suis tombé sur une vidéo sur Facebook, parce qu'il y a quelqu'un qui l'a partagé dans son fil d'actualité, et j'ai trouvé ça super étonnant. J'ai presque envie de dire incroyable. Il s'agit tout simplement de cette vidéo. Incroyable, n'est-ce pas? Je vais vous résumer ce que le gars est en train de faire. Il est en train de produire une petite expérience avec du coca, du sucre et de la cendre de cigarette. Un truc de fou, mon gars. On n'a jamais vu ça. Enfin, moi, j'ai jamais vu ça, en tout cas. Ce qu'il veut nous démontrer dans sa vidéo par son expérience, c'est qu'il prend du sucre, il le mélange à de la cendre de cigarette, tout ça plongé dans du coca, et la réaction chimique voudrait que ça crée une explosion. Fantastique. Spectaculaire. Bon, très bien mes amis, je vous invite déjà à laisser un petit pouce bleu sur la vidéo pour me donner la force et le courage. Et j'espère que ça va bien se passer. Pour cette expérience, nous aurons donc besoin d'un verre, de la cendre de cigarette, du sucre, du coca et bien sûr du sopalin pour essuyer les dégâts s'il y en a. Et d'après ce que j'ai vu, risque d'y en avoir. On va pas faire durer le suspense pendant 10 ans. Ne refaites surtout pas ça chez vous, ça peut être extrêmement dangereux, je le répète. Alors surtout, des produits à manipuler avec la plus grande des précautions. Là, bon, j'en ai déjà foutu partout. C'est un truc de fou. On a notre verre de coca, on a notre cendre de cigarette, on a du sucre. On va donc mélanger le sucre avec la cendre de cigarette. Bien mélangé. T'as vu, je suis chaud avec ça là. Ah, faut se protéger quand tu fais des expériences comme ça, mon gars. Voilà. Là, on est bien. Alors attendez, par contre, je vais prévoir le coup, hein, parce que mon vieux, si ça me pète à la gueule. Bon, alors attendez, je fais surtout attention. Oh, putain, je fais attention à mes caméras, mon gars. Parce que là, je peux te dire que je suis pas net sinon. Mais si, je suis très net. Bon, écoutez. Je le mets là. Hein. Je le mets là comme ça, là, parce que je sais pas si ça me pète à la gueule, mon gars. Je vous jure, je sais pas, je suis pas serein. Je suis pas serein. C'est un truc de fou. Attendez. Putain. Écoutez, je mets tout, hein. Je mets tout d'un coup, quoi. Je mets tout, hein. Vas-y, je mets tout. Ça fait une réaction bizarre. Ça a explosé là? Non? Vous avez eu quelque chose? Oh. Attends, parce que tout à l'heure, mon vieux, ça va faire pas. Vous êtes sûr que... Vous êtes sûr qu'il n'y a rien là? Je vous laisse admirer quand même. Regardez ça. Ça va, c'était un prank. Bon, bah écoutez, fake, hein, j'ai envie de dire, ça n'a pas explosé. Alors, à moins que c'est du Coca-Cola d'un autre pays, je sais pas comment qu'il est fait, mais en tout cas, le sien, mon vieux, il a explosé. Hein. Bon, et bien écoutez, c'était une toute petite vidéo pour une grande expérience. Si ça vous a plu, oubliez pas le petit like, ça fait toujours plaisir. Bah alors là, mon vieux, si on a tendance avec une vidéo comme ça, je comprends plus rien. Moi, sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et ciao tout le monde, bye bye!